Veuillez vous avancer d'un pas à l'appel de votre nom. Chantor Zavata. Moshe Levi. Savez-vous pourquoi vous êtes là? Warum? Parce que je suis juif. Parce que je suis Zigan. Vous êtes là parce que vous avez trahi. Vous, Moshe, vous êtes enfui du camp où l'on vous avait incarné pour vous rendre inoffensif. Et vous, Chandor, vous avez été pris en flagrant délit de sabotage de nos installations. Je ne faisais que prendre un peu de cuivre pour nourrir ma famille. Je ne veux pas être prisonnier dans 5 ans, comme du vulgaire bétail dans un enclos. Ben, VICTIS, comme a dit le chef de la Brenos, après avoir conquis Rome. Tu fais partie du voyage? Vous avez raison de faire de l'humour, pendant qu'il est encore temps. Allez, nous allons démarrer. Il n'y a pas de siège. Je crois pas que ce soit prévu. Non, ce que je préfère, c'est debout. Six! Nous avons qu'à imaginer que nous partons en vacances. Je suis connu pour mon sens de l'humour, mais moi je m'en suis évadé du camp. Et à l'arrivée, je sais ce qu'ils nous feront. Ils tueront. Pourquoi ne l'ont-ils pas déjà fait? Ça fait partie de leur programme. De m'humilier, de faire souffrir mentalement, de laisser croire, d'emmener jusqu'au désespoir. Dans ce cas, il en sera de même pour moi. Je suppose que oui. La seule différence, c'est que toi, tu ne connais pas encore leur camp. J'en ai entendu parler. Certains les qualifient de camp de la mort. C'est tout à fait ça. Au sens propre, comme au figuré. Thank you.
Pourquoi as-tu été déporté? Je suis juif. C'est tout? Pour eux, c'est largement suffisant. Scientifique. Et quand j'ai compris qu'il s'agissait d'un projet de missile destiné à détruire l'Angleterre, j'ai démissionné. Je suis venu à Brest avec ma famille. Loin de l'Allemagne. J'ai été dénoncé. Toi? Je suis Zigan. J'ai rejoint un groupe de résistants bretons et j'ai été pris sur dénonciation, moi aussi. Il est très modeste. Il ne dit pas qu'il est un grand violoniste et très renommé. Et qu'il aurait dû se contenter de la musique. Balom, nanosh, leci, putzina, kalia, keja, boti. Je prie pour nos familles. Mais quel Dieu pries-tu? Aucun et tous. Je prie celui qui daignera m'entendre et protéger ma famille de la haine nazie. Les Allemands aussi prient. Leur Dieu doit être affreux pour qu'ils commettent tant de crimes. C'est pour ce genre de raison que je suis. Ce genre de raison que je suis athée. Que les dieux se fassent la guerre entre eux. Et laissent les humains en dehors de tout ça. Übermensch. Nietzsche avait raison. Le surhomme nihiliste n'a pas besoin de Dieu. Et Heidegger l'a confirmé quand il déclara: seul le Führer, la vérité et la loi de l'Allemagne. D'aujourd'hui et de demain. C'est une citation à philosopher. Nietzsche. Il n'y a rien d'autre de plus à dire. Cette lumière n'est que moi. Vacille. Tu as compris quelque chose à ce qu'elle dit? Elle a fait allusion au surhomme de Nietzsche. Traduction approximative pour Übermensch. Nietzsche fut influencé par un autre philosophe nommé Schopenhauer. Que dire de plus, hein? Il a développé le concept du nihilisme, qui est la négation de toute chose, donc de nous-mêmes et de Dieu. Et puis,
puis il a fait allusion à Heidegger. Un philosophe dont la pensée n'est pas très claire, mais que les nazis exploitent à leur profit. Bon, laisse tomber. Désolé, je suis obligé de synthétiser. Nous avons tout notre temps. Nous ne sommes pas arrivés. Je croyais que tout avait été dit. Le tzigane a le droit de savoir. Avant de mourir, c'est ça? De tout temps, les tyrans ont cherché à s'attribuer du pouvoir universel et surhumain. C'est pour ça que la phrase d'Heidegger est terrifiante. Il désigne le Führer comme un être suprême permanent guidant un peuple de surhommes. Aria. C'est-à-dire pur. Par opposition aux races inférieures impures, c'est-à-dire mêlées. Avant le XXe siècle, les esclaves jouaient ce rôle d'exutoire. Tu commences à divaguer, à exprimer ta paranoïa et tes complexes d'infériorité. Nietzsche a détruit l'humanité par son nihilisme. Heidegger a reconnu l'œuvre du Führer, qui a tout reconstruit, restructuré, en donnant sens à tout. Ce n'est pas la même chose? Non. Dans un cas, tout est nié, rien. Dans l'autre, tout est expliqué. Le problème, c'est que les explications arrangent certains au détriment des autres. Fire Victis, malheur au vaincu. Ma sœur. Luludja signifie fleur. Nous les Tziganes, nous sommes très attachés à notre famille. Nous vivons ensemble et nous ne supportons pas d'être séparés. Je suis très inquiet pour ma sœur et pour toute ma famille. Nous sommes tous inquiets. Toi, tu t'es échappé. Tu sais ce qui t'attend. Moi, je ne sais pas. Et ça me terrorise. Surtout pour ma famille dont je n'ai plus aucune nouvelle.
Je me suis enfui. Ils m'ont repris. Je vais être particulièrement soigné. Ce que j'ai connu risque d'être pire désormais. Pourtant, c'était déjà pas drôle. Dans des baraquements d'eau chauffée, nourris comme des animaux, sans hygiène, sans aucune dignité. On ne s'appelait pas notre numéro, jamais par notre nom. La main en cire du bois pour le poil. Je me suis alors retrouvé à la fumerie. C'est comme ça que j'ai réussi à m'enfuir. Il y avait un trou dans le grillage sur la fenêtre de ma chambre. Tu as réussi à revenir jusqu'ici. J'étais interné à Drancy en attendant mon transfert. J'ai survécu en prenant le référent. Je dormais chaud. Je voyageais la nuit. Tu as reçu de l'aide des Français. Tu nous donneras les noms des traîtres. Personne ne m'a aidé. Vous espérez justifier les tortures que vous allez m'infliger. Tu devrais donner des noms. Et condamner des innocents. Tu peux les inventer. J'avais bien compris, mais le risque subsiste. J'essaie de t'aider. Plus personne ne peut m'aider. Tu as peur? Je suis absolument mort de peur. Mais je ne montrerai rien. Ils n'auront pas ma peur. J'aimerais avoir ton courage, mais je suis un trouillard. Mourir ne me fait pas peur, et la torture non plus, mais... J'ai peur pour toute ma famille et pour tous les tziganes qui sont traqués sans raison, sans l'avoir mérité. Vous avez été jugé coupable et condamné pour vos actes. Vous devriez assumer. Jugé par qui? Non, pas par qui. Pourquoi? Pour ce que vous avez fait. Et maintenant pour vous!